On était venu ici pour gagner ce match, pour essayer de recoller. Maintenant, on a eu une bonne réaction, on était mené 1-0. Psychologiquement, ce n'était pas évident et on a su revenir. Donc c'est bien pour la confiance et pour le mental de prendre un point ce soir avant la trêve internationale. On reste dans le coup pour le maintien et ça, c'est important. Steph, en plus, vous marquez plus. C'est peut-être pas le plus beau et le plus évident des débuts d'ailleurs que vous ayez mis. Non, mais c'est sûr qu'on avait du mal à marquer ces derniers matchs. Voilà, on a marqué sur un penalty, mais il ne faut pas qu'on pense à ça, surtout qu'on essaie de continuer à jouer et à se procurer des occasions. Et ça viendra tout seul, la réussite changera de côté et on aura aussi des beaux jours pour nous. On voulait gagner ce match, après voilà, on revient quand même parce qu'on perdait 1-0, donc c'est le point positif de ce soir. On a été combatifs, on a été solidaires, c'était vraiment pas simple parce que c'est une équipe vraiment rugueuse sur un terrain très compliqué. Donc voilà, il y avait énormément de duels de long ballon et c'était dur, mais on s'est accroché et on ramène quand même un bon point. Je pense que si sur l'occasion d'Adama en début de match il marque, ça peut changer le cours du match tout simplement. On aborde la chose différemment, mais c'est pas dedans. Et puis derrière, voilà, on se prend un penalty avant la mi-temps et on prend un but. Donc c'est sûr que dans les têtes, déjà quand on est sur une série négative à l'extérieur, c'est compliqué. Mais bon, on a eu une certaine force de caractère pour bien entamer la deuxième et aller chercher ce petit plus pour aller marquer. Et c'est ça qu'il faut retenir. Bah, c'est un peu les matchs difficiles de bas de tableau où les deux équipes sont à la lutte pour jouer un maintien. Il y avait, les deux équipes voulaient prendre les trois points forcément parce que c'est important de prendre un avantage sur l'adversaire. Mais bon, 1-1, on s'en contente parce qu'on stoppe une série à l'extérieur qui était quand même catastrophique ces derniers temps. Ouais. À l'heure où chaque point est important, vous allez aborder les fins de match maintenant différemment. Au lieu de garder un point comme ce soir, vous allez absolument vouloir vous ruer à l'attaque pour en prendre trois à chaque fois, quel que soit l'adversaire. Ouais, après bon, on a quand même essayé de garder le point, on est quand même resté solide défensivement, pas trop en se dévoilant parce qu'une défaite nous aurait fait encore plus mal. Donc c'est des matchs difficiles, c'est des matchs où il faut rien lâcher jusqu'au bout parce qu'un petit tournant, ben, on perd des points et dans la course au maintien, c'est difficile après. On sent que de votre côté, 2018 est plus difficile que 2017 pour gagner des matchs. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous le sentez ça dans le groupe? Bah ouais, on a fait une série à l'extérieur où on ne prenait pas de points sur tout ça. Après, à domicile, on arrive quand même à prendre des points et à enchaîner. Donc c'est un peu ces matchs à l'extérieur qui nous ont fait défaut ces derniers temps. Puis là, on stoppe la série, comme j'ai dit, et puis c'est important.